والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pour la première session, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et la première session, nous causons concernant le droit du bal monsieur, le bal madame. Deuxième session, nous causons le droit du bal madame, le bal monsieur. Inch'Allah, aujourd'hui, nous pouvons être un problème conjugal, un problème qui est entre le bal monsieur et le bal madame. Nous essayons d'énumérer quelques bal problèmes. Nous demandons aux autres de se parer pour participer, pour ensuite faire un commentaire. Je ne tout le problème qui est là, mais je suis de participation, de bonnes contributions, capable de discuter de l'été, qui est une solution. Donc, il pose problème de ménage, et puis il y a une solution. Comment pour Anne, une fille enseigne nous, pour seul, il problème conjugal. Après, on dernier, Inch'Allah, de ghetto là, polygamie, Inch'Allah, qui l'islam, dialogue. Donc, pour commencer, nous mentionnons un hadith qui montre nous comment Shaitan. Pour lui, un grand pitieux, ça, il y casse ménage, un couple, casse relation, fait divorce d'un couple. Hadith dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Iblis yadwa'u arshahu ala al-ma. Certainement, Iblis limite ce trône l'eau de l'eau. Ensuite, il envoie ban agent. Ce ban agent, Iblis, c'est le chef. Ensuite, il envoie ban agent yaftinou nannas. Je te mets ban djimoun à l'épreuve. Iblis dit le chef, il y avait eu ce ban celui-là, ce ban agent, allez à faire des autres façades de la terre. Dis-le la mer, de ce trône de la mer, hadith mentionné. Il y avait eu ce ban agent-là à le faire fitna, faire façade, faire corruption, entre ban djimoun, dans toute cette forme qu'il y en a. Le prophète dit, c'est lui qui pourrait être plus rapproché avec Iblis, c'est lui qui pourrait gagner plus grand médaille d'eau, c'est celui qui vient faire a'zamuhum fitnatan. C'est sa agent, c'est sa Satan qui vient faire plus beaucoup fitna. Le prophète dit, un livini, il dit, on fait telle quitteuse. Shaitan dit, Iblis dit, toi tu parles fait non, ma sonata shay'an. Ensuite, un vini, il dit, ma taraktuhu hatta farraktu baynahu wa baynam ra'ati. On n'a pas fin quitte-li, jusqu'à qui me fin sépare entre lui et son madame. Les temps, ça n'a agent là, il dit ça. Là, le prophète dit, Fayudnihi minhu. Iblis, il dit avec sa agent là, rapproche-toi. Coste-toi avec moi. Viens prier avec moi. Léla, il dit, Niama anta. Oui, toi, tu ne fais un grand travail. Toi, tu ne fais un grand travail. Donc, nous trouvons, hadith de Sahih Muslim, nous trouvons que Shaitan, il retourne tout une excuse pour lui servir, pour lui faire un couple. Gagne une discussion entre eux. Astéa, nous sommes intelligents. Dans le Coran, beaucoup place. Allah Ta'ala a mentionné que Shaitan, il n'est Shaitan, il n'est pas certainement, Shaitan, plusieurs places dans ça. Shaitan, il est l'ennemi déclaré. Ça nous faisait pas une précaution. Pour nous protéger le couple, protéger Michel et Madame, la case, le ménage, c'est premier, nous faisons une protection contre Shaitan. D'ailleurs, quand nous avons dans Surah Yusuf aussi, pareil, ça va être frère de Yusuf, c'est qu'il élimine lui, je ne sais pas depuis, un petit dit tout vieux, non, c'est depuis. À la fin de l'histoire, quand on va être réconcilié, Yusuf dit, Shaitan, il met des autres entre nous. Shaitan, Yusuf, il ne blâme pas son frère. Il dit, Shaitan, il met des autres entre nous. Donc, derrière tout, une façade qui est là, une discussion, une dispute, surtout entre couples, c'est un Shaitan. Parce que quand on a des hadiths, comment Shaitan gagne l'effet de l'Ojimoun? Il prend l'effet, il a l'influence de l'Ojimoun. Par exemple, en tant qu'un professeur dans l'école, un enfant, quand matin, il est levé, il ne peut pas faire namaz fajr. Il y a un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un Ojimoun a dormi, Shaitan attache trois nez. Il y a trois nez qui attachent. Il y a trois petites choses qui nous font pour nous l'autre année. Qu'est-ce que c'est trois petites choses là? Quand nous levons, nous imaginons Allah, un nez là. Nous faire oiseau déjeuner l'orgue, nous faire salade, ça le tenir là. Veut dire, un enfant vient de l'école, il ne peut pas faire doigt, il ne peut pas faire oiseau, il ne peut pas faire avance pas déjà. Non, c'est n'est que nous parlons contre les enfants là. C'est un temps qui a l'emprise de lui. À ce temps, lui, si pareil, d'un couple, il a dîme. Ça nous fait que ça avec un frère là. Si d'un couple, il a problème ménage, il n'a pas une dîme. Presque impossible pour ce problème d'un couple pareil. Mais c'est une dîme. Sinon, chez un temps, il pourrait se faire des autres de sa couple là. Donc, imaginez, si Pasteur Michel n'a pas fait namaz, ou madame n'a pas fait namaz, comment
Shaitan a l'influence de sa coupe-là. L'autre qui tueuse, par exemple, le prophète il enseigne nous pas mal de précautions. Par exemple, quand nous rentre dans la case, comment nous faire premier pas? Nous pas dire Bismillah. Qui Shaitan dit? Dans le hadith qui dit, vous avez une place pour rester. Comment lui manger? Il ne pas faire Bismillah. Vous avez une place pour manger. Ah, c'est imaginé. Ça dit, mon là, il vient à dire que l'on rentre dans la case, il va le manger là. Shaitan, il rentre dans l'espace là. Pour lui faire la tape l'eau, sa coupe là. Il y a influence, ça, du monde là. Donc, imagine bien qu'il y a un shaitan qui est là, 24 heures ou 24, il peut avoir l'occasion pour lui gagner distinction avec Iblis. Partout, il y a un shaitan. D'ailleurs, le prophète dit avec ça, du monde, il y a un karim, il y a un djinn, puis il y a un site, ça, du monde là, pour faire dito, faire péché. Ben, ça, il y a un sourd là, oui, si ma mère, il y a un karim, le prophète qui dit, moi, oui, mais seulement pour moi, il se met, pour moi, il se met, pour nous, il se met. Nous, un seul du monde, on va dire lui protéger. Donc, il y a sa carine là avec nous, qui sont les shaitan, allez, à travers les péchés aussi, shaitan y rentre, du monde lui fait le péché, shaitan y rentre, lui fait façade, danse à la case là. Donc, le péché, c'est un autre moyen que shaitan y rentre d'un couple, lui fait des autres de sa couple là. À ce des gens qui tuent, avant de venir avec les raisons qui font, nous essayons d'énumérer les raisons qui font du monde gagne, qui tuent, avec une discorde entre péché et madame. Un autre qui tuent, nous avons Shaitan. Après, problème, conflit entre du monde, il n'est pas nécessaire de Shaitan aussi. Il y a quelque chose d'assez naturel dans la vie de l'insan. Il n'y a pas de conflit. Nous tous, nous avons frère, nous avons la guerre avec nos frères, nous avons sœur, nous avons la guerre avec nos sœurs. Mais avec nos parents, nous avons une discussion avec nos parents. Tout le monde a un conflit. Entre nous, madame, il y a quelque chose aussi, il n'est pas nécessaire tout le temps de Shaitan parce que même le prophète Salah Ali Wassel n'a pas un problème avec son madame. Le prophète Salah Ali Wassel, est-ce qu'il n'a pas fait un problème avec ce mal madame? Oui, le prophète a fait un problème avec ce mal madame. Donc, il y a une petite chose aussi naturelle aussi. Ben, discorde, il y a assez naturel. Naturellement, je fais regarder discorde, mais ben, un petit conflit, il y a assez naturel. Il ne fallait pas qu'un monde ait un conflit. On va dire ça, ça même bien les jours de sa dunia là. Dunia ne peut pas finir, c'était non. Mais par l'exemple qui est dans le hadith, nous trouvons un hadith que montrez-nous dans la case d'Ahl Bayt, la famille du prophète. Fatima avec ce monsieur, Ali radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, final, côté Fatima, avec ce petit fille, il fait dialer comme ça, Aïna ibn Ammi, côté ton cousin. Fatima, ce cousin, c'est Ali radiallahu anhu, dialer côté ton cousin. Et là, Fatima dit comme ça, entre moi et lui, finalement, qui te quand elle a baigné, ou a baigné, ou chaïk, finalement, qui bis-bis entre nous, elle finit en coller avec moi, elle finit sortir, elle finit aller. Elle n'est pas finie de dormir la case, peut-être après, en général, ça, dans l'époque de Sahaba, même dans l'actuel souci, dans le pays chaud, il dit que nous dormi après la Mazouha. Il dit qu'il n'est pas fini de dormir la case aujourd'hui, il finit sortir, il finit aller. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit envoyer un Sahaba, alors que Ali était. Là, le Sahaba il a fini dire avec le prophète, et Rasulallah, Ali il est dans le masjid, il peut allonger dans le masjid. Le prophète il est allé, il trouve Ali, il est dans le masjid, sur Rida, sur sa lèche qu'il met en haut là, sa couverture qu'il met en haut là, il sortit le lit. Il va allonger sur les gaufres, il va l'accoucher longtemps, il va dire sable dans le masjid, il va dire nappe ou bien, pas les autres qui ne sont pas comme un propre azodi. Sur les gaufres, il va l'accoucher, le prophète va dire oh Abu Turab, Abu Turab va dire oh papa de la poussière. Le prophète peut dire avec lui, comme Abu Turab, comme il y a Abu Turab, oh Abu Turab, dis-toi, mets-toi debout, lève-toi, lève-toi. Veux dire qui ça a dit dans sa muslim, veux dire qui, même dans mes meilleurs couples, Fatima et Ali radiallahu anhuma, je tire fin d'un conflit. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam fin d'un conflit avec ce madame. Donc, il y a une quitteuse aussi naturelle. Il fallait pas qu'un démon lui va le voyer, lui penser qu'il y a des armées pour gagner un conflit tout le temps pour une la vie pour un rose. Non, il y a une petite quitteuse qui peut arriver, pour bien arriver. Et peut-être c'est un qui parfois, quand il connaît JLI, c'est un qui peut-être lui augmente l'amour qu'il y a d'un couple. Hein, quand il connaît JLI, il y a un problème. Après, il y a un problème. Ah, l'amour là, lui augmente plus. Donc, il fallait nous congérer le conflit. Donc, nous avons empêché tout le conflit d'arriver, mais nous devons congérer ce conflit. Et nous devons, quand nous parlons de mourir aussi, nous devons préparer nous à ce moment-là. Nous connaissons qu'il y a des n'importe qui moment capable d'arriver à un petit problème. Donc, nous devons contrôler nous, nous devons contrôler nous. Nous allons essayer de faire quelques bonnes points, quelque chose qui peut-être est capable d'être une source de conflit. Et nous aussi, à terme de jeu de pauvres, j'ai envie d'ajouter quelque chose là-dedans, je veux dire. Peut-être un premier qui chose, c'est que bien souvent, ben qui parle mariage, je ne pas comprendre même qui veut dire mariage. Avant qu'on ait un cas réel, qu'on ait une fille, une petite fille, les filles mariées avec un garçon, après 2 semaines,
Dans ce moment, tu connais mon mari, mon seigneur, vivre avec toi, mon coach. J'ai envie de connaître qui veut dire la vie, mon yas. Je ne pas être capable. J'y vais aussi, là. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Et tu viens de finir les enfants avec sa garçon. Donc, 10 semaines, mon yas, garçon, là, tu as mon seigneur. Et les garçon, là, il n'y a pas connu qui n'a le fait, il n'a pas le fait, il n'a pas le fait, il n'a pas le fait. Il n'a pas le fait, après 10 semaines, il veut donner un talent, il veut prendre un kit, il veut prendre un kit, il veut dire, ah, je joue ça. Alors après des semaines, il va donner un talent, il va dire ça, garçon là, il ne va pas comprendre qui a fait là. Il ne va pas comprendre la gravité, l'importance de sa culture qu'il appelle Moyaz. Et par exemple, il y a un hadith qui montre nous, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout ça, le prophète est choisi pour dire sa parole là, dans qui moment, dans Hajjatul Wada, dans Khutbatul Wada, ce khutbat qui est une fête d'Arafa. Quand là, l'historien dit qu'il y a plus de 100 000 sahabas qui vont aller dans Arafat. Il dit « Ittaqullah fin nisa, paye Allah concernant ban madame. » Il dit « Ban biché, paye Allah concernant ban madame. Fa innakum akhaftumuhunna bi amanatillah. » Je ne prends ça ban madame là pour m'a dire « trust » depuis Allah. Pour m'a dire qu'il peut mourir là, je ne prends ça ban madame là « bi amanatillah. » Je ne prends un « trust » et Allah me confie tout ça madame là. Alors, les garçons, ils ont besoin de réfléchir quand ils peuvent prendre une petite fille, ils peuvent tirer sa petite fille sur la case. Ils ont amené à vivre d'un nouveau la case qui est complètement étranger à lui. Donc, ils ont besoin, les garçons, ils ont besoin de comprendre ça. Petite fille, il est nouveau la case. Là. Les prophètes disent Istahlaltum furujahun bi kalimatillah. Les prophètes permettent de montrer qu'ils veulent dire, ils veulent montrer qu'ils veulent dire Moyaza. Istahlaltum, je ne fais halal. Furujahun. Partie privée, ça va de madame là, bi kalimatillah, par la parole d'Allah. Ça veut dire que je ne dis je peux accepter de prendre cette fille là, je peux dire, je vais prendre serment avec Allah là. Pour Allah, je vais prendre cette fille là dans mon nikah. Pour sa parole là, cette fille là peut venir halal pour moi. Cette fille là qui tient, ghayr mahram pour moi, qui est étranger à moi, je ne peux pas te gagner droit cause en lui sans aucune raison, je ne peux pas te gagner droit tous lui sans aucune raison, je ne peux pas te gagner droit get lui sans aucune raison. Naturellement, quand on va faire des mois en voyage, peut-être une. Je fais le là quand elle fait Khidbat Unika, appelle ça. Elle demande à une fille en voyage, elle dit Tchifi, vous inquiétez, pas qu'elle va voyager avec un Tchifi sans guetter. Mais, à partir de ce moment-là, c'est ce moment-là, nous guettons Tchifi là. Après, Tchifi là, il reste réel mahram. Il ne va pas voir tout ce qui ne va pas avoir cause avec lui sans aucune raison, ni, il y a une conception. Mais, nous ne sommes pas un garçon là, non. Pourquoi nous ne pouvons pas vivre avec ça? Ou bien, ce garçon, nous ne sommes pas un Tchifi là. Pourquoi nous ne pouvons pas vivre avec ça, Tchifi là? Mais normal quand nous vous fiancez, tous les jours vous dites nous I love you, tous les jours vous dites nous aime, parce qu'il n'y a pas pour moi là. Quand vous mariez, comment vous dites vraiment I love you? Et là, je vois la conception là, mais je dis que quand nous vous fiancez, là, nous pouvons dire nous là, nous ne pouvons pas vivre avec un étranger, dès le départ, nous ne pouvons pas vivre avec lui, nous ne pouvons pas connaître lui, vous avez une fiançaille, vous avez une connaissance, menti, pena dans l'islam, pena dans l'islam, connaissance avant le mariage, pena. Un petit exemple. Moi, quand je fais un fiançaille, je vais dire vendredi, je vais me faire dimanche, je vais me faire après deux semaines, je vais faire vite, vite, comme ça. Fiançaille après six mois, après, il y a ça qui fait. Quand on finit par rien, je vais me faire un fiançaille. Je vais dire vendredi, je vais me faire dimanche, je vais me faire je vais dire je vais me faire comme ça, mais quand tu peux te voir, ça. Je vais dire moi, oui, je vais deux semaines, je vais dire acceptez vendredi 13, je vais mais dire qui nous pas ça, nous pas tordi. Quand fini que Tiffin fini content, Tiffin d'accord, fallait pas tordi. Fallait pas une mauvaise petite chose terrible ça. Hein, prend Tiffin sorti aller haram mais complètement les haram pein aucun aussi mais sorti là-dedans, pas gain droit. Garde relation avec cette fille là parce qu'il y a encore un haram. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il montre istahlaltum furuj min fi cette fille là bin halal. Bi kalimatillah, par la parole d'Allah. Mais dire que tu peux dire, tu dis Nika, kaboul, quand tu es dans le bout de Nika, n'accepter Nika, tu peux dire ça, c'est prendre serment devant Allah, mais prendre sa tifila. Donc, sa garçon là, s'il n'est pas comprend qu'il peut dire Moyaz, bien tifila aussi pareil, s'il n'est pas comprend qu'il peut faire là, il peut penser c'est l'amusement. Non, il a responsable. Oui, la Moyaz, c'est contentement, c'est l'amusement aussi, mais il a beaucoup de responsabilité qui découle à partir de Moyaz. Donc, cette fille-là aussi, vous la connaissez. Cette garçon-là aussi, vous la connaissez. Astéa, nous trouvons un problème qui est récemment le Laz Moya. Le prophète est marié avec Aïcha à l'âge de 6 ans, à l'âge de 9 ans. Oui, dans l'islam, pas le mettre un âge spécifique, veut dire un enfant aussi qui est marié. Mais seulement, est-ce qu'il est praticable à Zodji? Est-ce qu'il est praticable? Ben, tu fais quoi? Tu as besoin de faire un Astéa si il est marié un petit mineur?
faisons pour cause de cela ni cas. Oui, un papa, il y a un moyen sur une fille qui est mineure avec un garçon. Naturellement, il n'est pas pour rester avec cette fille-là. Quand cette fille-là vient de balir, elle est pour rester avec maman, Aïcha, elle dit Allah, elle a dit ça, mais bien, mais il y a un âge minimal pour moyer avec un petit fille. Il y a un moyen un petit fille mineur, mais des enfants, il n'est pas pour balir, il n'est pas pour balir. Il y a dans l'islam ça. Mais est-ce qu'il est praticable dans l'époque qu'il ne peut vivre? Est-ce qu'il est pour tenir sa mangade ni cas-là? Donc, il y a une question qui appelle gain, quoi, une question qui appelle est-ce qu'il est faisable? Donc, ça qui est faisable, nous avons besoin de bien. L'époque s'il est sans-y. Donc, parfois aussi, le diamant est jeune, il est beau. Bon, il est jeune, mais seulement aussi, besoin d'une certaine maturité. Donc, si on a besoin de maturité, si il a aussi besoin de maturité pour les voyer, sinon, je ne sais pas pourquoi vivre. Hein, je ne vais pas rien à l'esprit enfantin. Après, je vais vous casser nickel, petit maman, moyage, fini, casser. Donc, ça aussi est important qui, moyage, ça dit, qui parle moyage, il besoin de comprendre ce côté, qui se bat l'implication, qui se bat l'importance. L'autre petite chose qui amène un problème dans l'écart, c'est faire mauvais choix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le connaît. Puis il dit, un petit avec un madame pour ta quitteuse, pour son mal, son nasab, sa famille, il y a de sa beauté, il y a de sa digne. Le prophète a gagné succès avec un petit qui est la digne. Donc, il y a de la digne, ça plus important. À ce moment, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un droit, quand il peut choisir un petit fille, il y a aussi sa position financière? Ou bien, garçon, il y a un droit, est-ce qu'il y a un droit? Oui, il est naturel. Et par exemple, un garçon, un garçon modeste, il va avoir le droit à l'Arabie, ce type de moyen. Ça n'a pas de problème pour lui vivre, ça. Ouais, donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec un type qui est beaucoup plus riche que nous, non, mais c'est pas vous inquiéter. Est-ce qu'il est capable de la case, d'isis, si vous voyez, René, moi, l'assemblage, si pas 6 pieds, pas 6 pieds, il reste dans sa tour. Moi, il croit que les choses que vous avez dit, il n'y a pas de problème, mais c'est aussi de la case. Il va rester dans la case, alors, mais ça aussi, il vous inquiéter. Donc, naturellement, papa là aussi, pareil, quand il est marié, il se tifie avec un garçon. Il n'a pas marié avec un garçon qui n'est pas capable de maintenir ce tifie. Et dans leur zone, petit garçon, il vient de la case. Il ne veut pas dire que c'est matérialiste, non, mais il veut dire que le minimum, est-ce qu'il, parce qu'il est marié, n'a pas quand il vient de sa garçon là. Est-ce qu'il a la capacité pour l'égalité de sa garçon là? Ça aussi est important. Ça aussi est important. Pareil, dans le hadith, souvent nous entendons ça. Quand un djibou est en train de mécher, quand il va le marier avec un petit fille, il va sa carte, etc. Mais c'est moi qui est un pénadine. Est-ce qu'on est contraire quand un autre hadith concernant un papa quand il va marier ce petit fille? Qui est bien guetté? Hadith qui dit. Je m'entends des hadiths là, quand quelqu'un peut venir demander un papa ce petit fille, papa là qui est bien guetté avec sa garçon là. Avec caractère. Din va suffire. Din à vous, à vous, à vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionné. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه عندي من كفاف نادين سما نسن فاسو أخلاق نفو باتي نادين بس ما نبغى بدي نفس نسبيسيفي أخلاق بس سفي إن بشينا نادين في نماذج ده كم يصير بس ما أبغى لي عندي من كي كوليرو عندي من كي نا كاراكتي عندي من كي يبين أخلاق سا دي كمان بروبلم دو بعدين ما ensuite Ensuite, Allah Ta'ala, il met sa droit pour marier. Il dit, tu n'as pas qu'à marier pour lui-même, c'est le wali qui marie. Ce qui, je trouve un hikma là-dedans, une sagesse là-dedans, qui, c'est papa là qui décide. Un garçon, une vini, papa là qui vous décide, oui, me marier toi avec lui. C'est pas tout le travail, c'est papa là, wali là, c'est permission qui compte. Est-ce qui, je trouve la sagesse là-dedans? Qui sagesse là-dedans? Ce qui, en général, un petit fille, dans l'islam, un petit fille, il n'est pas comme un garçon, il saute, il porte, il a le porté, il porte, il a la case. Lui. Papa là, lui qui connaît l'intérêt de cette fille-là. Et pas pour une personne qui vous compte dans cette fille-là, qu'est-ce qu'il sort? C'est papa. Moi, je connais une fille, papa, il vient garder ta vie avec lui. Cette fille-là dit, mon papa, moi, il y a une personne qui ne sait pas dire. Ce qui est mon papa, dit, c'est elle. C'est quand tu as ta vie-là, papa, il vient avec cette fille-là. C'est-à-dire, papa, là, il dit, mon bien vieux. Sa qualité, papa là, il fait sa tchifila, je t'ai rouillé, que tchifila, dis moi, on va me guérir derrière, ça qui mon papa, dis moi, et je veux sa tchifila, je me dis, alhamdulillah, beaucoup, alhamdulillah. Je dis qui, ben papa aussi, il disait qu'on amène sa tchifila, parce que papa, il n'a pas de tchifila qui, il ne peut pas accepter que ce papa fait un choix pour lui. Ça aussi, non? Donc, papa là, t'as rouillé, sa tchifila, quand il fait grandir sa tchifila, Tchifila a confiance, ce papa c'est son best friend, c'est une façon comment lui dire. Il a confiance de ce papa, c'est que ce papa peut dire libre, il peut écouter. Ça aussi, c'est une autre chose qui est importante. Donc, le bon choix, si un djimon fait un mauvais choix, il n'a pas vraiment de problème. Si tu as trop mal de djimon, vous comprenez? Ça veut dire, il n'y a pas Coran, Hadith. Hein?
Il y a du monde qui veut me marier avec un étranger. Je vais entendre qu'il y a un problème après, c'est pas un Mauricien, il marie avec un Indien dans l'Inde, ou bien un Pakistanais, ou bien un Indonésien. Notre culture n'est pas pareille, façon de vivre pas pareille. Ce qui m'a donné, hein, Allah, Allah, mais bien souvent, nous, quand il y a beaucoup de problèmes dans notre couple pareil, parce qu'il y a une façon de vivre pas pareille, alors je ne suis pas compatible, ça n'amène pas de problème. Peut-être ça aussi, il est capable d'amener un problème quand sa garçon il veut faire le mauvais choix, mais finalement, il fait le mauvais choix, il est capable d'amener un problème dans l'Ika. Par exemple, quelque chose qui peut-être capable d'amener un problème dans l'Ika, c'est que sa madame-là, elle est exigeante, elle demande trop beaucoup. Il y en a trop beaucoup de quelque chose qui lui demande ce monsieur, il y a un cause de ce monsieur, et elle n'est pas satisfait avec ça que ce monsieur lui demande plus que ça. D'ailleurs, nous avons un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait mention qu'il fait doubler beaucoup de madame, un habitant de Jahannam, c'est une madame, il donne raison, c'est qu'il dit « Tukfirna l'a'n wa takfurna l'ashir » Une madame, je fais beaucoup de l'a'n, je donne malédiction. Et avant de savoir qu'il explique ce mot l'a'n, je dis malédiction, c'est aussi faire reproche, je fais beaucoup de reproches « Wa takfurna l'ashir » et je n'ai pas reconnaissant pour faire que je me suis fait aux autres, ou que je me suis fait aux autres. Donc, et le prophète dans le hadith mentionné, il dit un pas miseux, tout le temps que tu finis faire le bien avec lui, une fois que tu finis manquer lui, il dit jamais tu ne fais manquer du bien. Donc, peut-être, pas peut-être, si c'est là, si il y a ça dans le hadith, peut-être ça est une petite chose qui amène problème dans l'Ika, c'est que sa madame-là est tellement exigeante envers son monsieur. Il y a trop beaucoup de monde qui, après monsieur-là, est fatigué avec ça. D'ailleurs, il y a un hadith, qu'est-ce que ce hadith-là? Un sahabi vient contre le Rasoul alayhi wa sallam, il dit Ya Rasulallah, indique-moi une petite chose qui va me faire lire. Allah pour compte en moi et Benjamin pour compte en moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sahabi là, dit Ya Rasulallah, dullani ala amalin, idha fa'altuhu, ahabbani Allah wa ahabbani al-nas. Ya Rasulallah, j'ai une action qui va me faire lire. Allah pour compte en moi et Benjamin pour compte en moi. Le prophète dit Izhad fi dunya, yuhibbak Allah. Détourne-toi avec sa lumière là. N'a pas plonge-toi avec le plaisir de ce monde. Pratique l'ascétisme, azoud. Izhad fi dunya, le gars de mot zoud. Yuhibbak Allah, Allah pour compte à toi. Izhad bima fi aïdin nas. Quitte ce qui est entre les mains des gens. Bandjimoun pour compte à toi. Quitte ce qui est entre les mains des gens. Bandjimoun pour compte à toi. Ça a dit ça bien longtemps, mon cousin. Je peux lire ça, moi tu peux comprendre. Un petit peu, je m'en sers d'Audi. Quitte ça qu'il y a entre les mains des gens, ben, Djimoun, pour compte à toi. Mais là, Daoudi, je dis à Djama, chaque fois, par exemple, je demande un exemple, chaque fois, je dis, hey, qui est avec toi là? Qui est avec toi là? Trois, quatre fois, quatre, cinquième fois, il va arriver. Ben, là, Djama, c'est un monde, je sens que je vais cacher, c'est un monde. Mais dis à qui? Chaque fois, je demande Djimoun qui te suit. Comme il y a un voisin, il y a qui te suit, parfois, quand Djimoun lui prêter, mais chaque fois, pour Djimoun lui, ben, pourquoi mes jolis? Mais Djimoun lui pas cacher parce qu'il y a une action. C'est Allah, lui qui n'a pas demandé qu'il y ait un collier avec vous. Hadith ça. Quand vous ne demandez pas avec Allah, Allah en collier. Mais Djimoun, vous pouvez demander dans sa bonté, il peut de nous, il peut accepter. Mais c'est moi, nous 4-5 coups. Djimoun, il peut casser. Mais pareillement, si une madame est exigeante avec ce monsieur, chaque fois, il demande une petite chose, ça, il est capable d'avoir une certaine mécontentement avec sa monsieur-là, il a quand même un mal de problème dans le couple. Alors, pareillement, et ce contraire aussi est vrai, nous sommes capables de trouver un problème quand un monsieur, il va faire des dépenses pour ma bisette. L'autre madame, pareil, quand nous trouve hadith de Abou Soufiane sur madame, Hind. Il vient de plaigner contre le Rasoul alayhi wa sallam, il y a Rasoulallah, mon monsieur, un djimoun qui est shahir, un djimoun qui est avare. Il n'y a pas de moi et mes enfants, ce qui suffit pour nous, moi et mes enfants. Le prophète dit, ben, prends des pistes au mal, pour toi et pour tes enfants, d'une façon qui est raisonnable. Je veux dire, quand nous ne dépensons pas sur nous, madame aussi, madame, monsieur, je ne pars, et je ne pars qu'il soit madame bien. Vous avez la capacité, Michel, là, fait dominer. Au contraire, il va prendre des billets d'argent à madame là. Ça va, Michel, bien clair, nous là. Mais Michel, bien connaît qui, même madame là, il a la paye. Il travaille, il a une bonne poste. Ou bien madame là, son papa, il donne l'argent. Vous, ça, madame là. Il ne fallait pas que ça, Michel, là, fait des choses qui, comment dire, les retirer avec sa madame là. Si madame là, on lui donnait pas de problème, mais il ne fallait pas que Michel là, il agisse des choses qui, comment dire, les mette pression sur madame là, qui, madame Michel, madame là, comment dire, volontairement, les bébés dépensent des billets sur l'argent. C'est ce qu'on va dire pour éviter le problème avec sa Michel. Non. Donc, des deux côtés, il y a important. Michel a dit sur l'obligation des billets dépenses, l'eau, sa madame. Un
naturellement. Par exemple, fallait pas que je dise des dépenses aussi. Donc pour Allah Ta'ala, il mentionne comment faire des dépenses. Allah Ta'ala dit wa la tabsutha kull al-basth fa taq'ud maluman madhura dans sourate Isra. Allah Ta'ala pas étalé tout la main à une façon qui comme dit de préciser de pour regretter. Mais tu as pas fait dépenses à une façon comme tu restes dépensé, tu pas quitter rien. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك نفمت تحت رميل الليكو mais j'ai pas fait avant aussi. Allah subhanahu wa ta'ala enseigne la modération. Et un djimon qui est là, l'ici a vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبدي. Allah est content qu'il y trouve l'effet de ce faveur, de ce serviteur. Allah donne-nous l'argent pour qu'après si elle vienne pour le tout. On les voit, c'est bien de notre équipe pour rouler des kilomètres alors que tu tombes pour en parler comme des bâtiments. Non, c'est bien bon de te. Allah donne-nous l'argent, c'est bien bon l'aise, bon la toile, joli l'aise, sans qu'il vous fasse exagération. Allah donne-nous l'argent, arrange une jolie la case, ni vous faire gaspillage, ni vous faire avoir. Donc, il fallait dans la modération. Donc, ça aussi une petite chose importante. Vous avez dépensé le madame pour ma visite, être généreux envers madame. Et madame, là aussi, pareil, de ce bord, il ne fallait pas qu'il y en a trop beaucoup de demandes, il fait à celui-ci. C'est une autre chose encore, c'est qu'un monsieur, il mal comprend qu'il a sa l'autorité qu'il a de lui là, il veut qu'on ait un dictateur à ce. Oui, Allah Ta'ala, ça quoi de Coran, Allah fait mention, « Wa li rijali alayhinna daraja, Allah in donne monsieur un daraja, puisqu'il va de madame, Allah a rijali qawwamuna ala nisa, ban monsieur, je te qawwam, je ban madame, je te responsable, je te maintiens ban madame, mais il ne fallait pas que monsieur là, il vienne un despote, comment nous dire, un tyran, qui tous a fait saisir seule opinion qui m'a aussi. Dit seul qui prend la décision, le tout qui te. Non. Comment nous finissons la dernière fois. Nous mangeons le Coran la fin. In arada fi salan an taradu minhuma wa tashawurin, fala junaha alayhima. Quand les deux, ils décidaient pour sevrer, veut dire arrête, aller de ses enfants-là avec son maman. Quand les deux, arada, tathniya, veut dire fana, les deux, michi madame, coupe. Quand les deux, finissent décider pour arrêter. Faire les enfants boire avec maman, un taradouin, avec consentement, taradouin, ridor, je ne satisfais les deux, monsieur et madame, une cause, ou attachaour, après que je ne fais, mouchawara, je ne consulte un à l'autre, on a djuna alayhima, et donc quel problème, je t'arrête, faire les enfants boire avec maman. L'autre affaire simple, bébé envie, bien arrive grandir, les enfants là, le gars arrive boire avec son maman, ça fait paraître banal, mais Allah peut dire, après qu'il consulte un à l'autre, chez madame, mais tu vois les autres qui ont quelque chose qui est payé pourtant. Donc, monsieur là, il est bizarre, consulter sur madame, c'est une décision importante, c'est pas au sens de la case, pas réserve de place. Pardonnez-moi, c'est une décision importante qu'il y a pour prendre dans votre couple. Monsieur et madame, bizarre, assisé, causé. J'ai tout ça qui s'appelle communication, lien de quelque chose qui est tellement important entre monsieur et madame. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand je fais assis là, dans le traité de Hudaybiyah, ben Mouchtikine empêche le prophète rentre dans Makka. Il fait une négociation avec le Mouchtikine. Le prophète n'accepte pas rentrer dans Makka, ça l'année qui est finale là. Il dans Hudaybiyah, il est prêt avec Makka. Allez, je te rentre, il fait une négociation. Il est d'accord pour venir aller ensuite. Le prophète dit à Ben Sahaba, il n'est pas capable de rentrer. Il vient faire Zabar et Ben Zanimo pour se rendre au l'état Ihram, rase la tête. Le prophète dit pas pour rentrer dans Makka, ça l'année là. Peut-être finir sur un petit combien de kilomètres, il voyage. Il arrive devant la station, devant la porte de Makka, pour les autres rentrer. On veut faire concession avec Ben Kourej de Makka. Parce qu'il est trouvé dans l'avantage, alors. Mais tu fais ça, il prophète dit à Ben Sahaba, allez, coupe ce animaux, rase de la tête, tiens, Ihram. Tout Ben Sahaba, tu bouges de prophète. Il ne faut pas parler de Spahina qui les autres places dans Syrah, dans la vie du prophète, que Ben Sahaba, pas fin empressé pour exécuter l'ordre du prophète. Il ne faut pas qu'on les autres places, autre que ça. Ben Sahaba, tu bouges de prophète. Le prophète, il est étonné. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, sa voyage, tu amènes Umm Salama radiallahu anha avec lui. Umm Salama, tu es dans la tente. Le prophète rentre dans la tente. Quand il rentre dans la tente, dans le hadith mentionné, Umm Salama, j'ai fini qu'on est une équipe sur papier bossé. C'est quand il guette le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il guette sa maman là, quand il est intelligent. Il finit qu'on est une équipe sur papier bossé. Il dit avec le prophète qui est arrivé. On va t'expliquer qui est arrivé. Umm Salama, j'ai dit comme ça avec toi. Sorti, amène tes animaux, fais zaba avec lui. Après, j'ai sa jambe qui pourra sur la tête, rase sur la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort aussi, il fait ça qui est sur madame Injali. Injali fait. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gagne wahi, il gagne inspiration, mais il n'écoute sur madame. Il sort aussi, il fait ça qui est sur madame Injali. Qui veut dire qu'il
un miché. Malgré qu'il y a un miché, il besoin et a toujours un œil, écouter ce qui sont malades et n'a pour Jerry. Bien consulter un à l'autre. Donc ça est important, ça dialogue là bien et a dans le couple. L'autre petite chose qui peut-être amène beaucoup de problèmes dans le couple, c'est aussi mauvais caractère qui sort de la part de miché, ça de la part de madame, et surtout miché, une colère, qui est un trait de mal miché, ça, c'est qu'il en colère vite. En général, il est comme ça, mais c'est un livre pour du monde. En général, il est comme ça, ma miché n'a colère, elle lui fait colère, il y a un dimon, il y a un salam, il y a un salam, il y a un Rasulallah, donne-moi un conseil avec toi. Le prophète dit, là, t'as pas mettre ton colère. Qui veut dire que si tu as colère aussi, contrôle ton colère. Ça dit, là, comment donner tout ça conseil, là, comment dire. Et les grands affaires qui viennent dire, ils répètent ces questions plusieurs fois, miroran. Chaque fois, le prophète Jali n'a pas mis ton collier, là, t'as pas. Et le bonnet collier, il vient de dire que Shaitan. Donc, tout le problème qui est parfois, quand quelque chose gâté d'une menace, bien souvent, c'est après un collier que Michel a fait. Il bat madame là, il prononce ta là. C'est après un collier. Donc, ce collier, un du monde est capable de contrôler ce collier. Et naturellement, madame là aussi, pareil. Faudrait qu'il y prenne précaution. Il n'a pas fait une petite chose qui peut amener sa Michela en colère. C'est une petite chose, une réflexion qui m'a trouvé par l'expérience au le moi-même, je suis pareil dans la vie. Quand il est fatigué, il est irrité vite. C'est une petite chose, imaginez si madame travaille, monsieur travaille. La constante qui tout le temps vous dire, le bon petit dit, Almat Aturari a fait bien qu'il s'est dit. Et madame, il y a un BG dans la maison sur Michel. Michel, madame, dit du monde qui est fatigué, rentre dans la case. Alors là, il est bien facile pour une amie de conflit. Par contre, si Michel est fatigué, il rentre dans la case. Madame, là, en plus, elle se sent froid, elle est dans la case, elle occupe la case, elle passe à fatiguer, comment ça, Michel, elle passe stressé. Il est pour capable, quand il a l'esprit posé, Michel, elle est pour capable, madame, là, il est pour capable, connaît comment pour agir avec elle. Moi, ça, madame, sa sahabi, elle est là, au Moussoulay. Ses enfants, ils sont. Il dit avec ses beaux-parents, pas dire à Boudard. Saint-Michel, c'est pas Boudard, pas Boudard, c'est ça. Abou Talha, Abou Talha. Il dit avec beaux-parents, pas dire à Abou Talha, non, maman Boudjeli. Au contraire, madame, qu'est-ce qu'il fait? Il embellit, il est plus joli que d'habitude. Il dit, embellit, même dans la halita, il est embellit, il est plus bien beau. Subhanallah, qu'est-ce que l'esprit, ça, madame, qu'est-ce que l'intelligence? Pourtant, il n'est pas lauréat, il est bien à cette explication, c'est mais Iman, Iman de prévoyance. Sa madame là, il embellit les plus que son Michel. Et son Michel est insatisfait avec lui, il est là, il dit à Michel. Donc, si tous les deux fatigués à ce dire, Michel, madame rentre la case, madame fatiguée, Michel fatiguée, à ses enfants, il a ses enfants pour guetter. On va prendre moi pour gérer sa situation là, on va coller pour rentrer vite dans la case là. Alors, il est vite difficile. Et ça aussi, comme je viens de dire, peut-être, il y a quelque chose qui amène un problème dans la case, pas de ménage. Aussi, l'autre petite chose, toujours, par le bécoz, le collier, ma miché aussi. Parfois, ma miché aussi, je suis fatigué. Après, ma miché n'a pas les autres responsabilités, peut-être d'avoir une autre petite chose. L'effet sur madame, mais complètement secondaire. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait un mu'akha, c'est-à-dire fraternisation entre Abu Darda avec Salman al-Farsi. Vous voyez, dans Makkah, c'est dans l'immigration, dans le Madina. Les Sahabas sont en difficulté, les Médinites, les habitants de Madina sont en difficulté. Le prophète une fraternise en habitant de Makkah, Madina, plutôt les habitants de Makkah sont en difficulté. Une fraternise en eux, les fait mettre sous responsabilité, les fait mettre Salman al-Farsi sous responsabilité d'Abu Darda. Salman, tu peux rester contre Abu Darda, dans Madina. Qu'il est arrivé un jour, Abu Darda, plutôt Salman, il trouve Abu Darda sur madame, Abu Darda, Moutabadila. Peut-être se laisse siphonner et sa haditha, peut-être avant hijab. Avant qu'il finisse la loi concernant hijab, parce qu'il commence pas dans Madina, ça tient quoi, il y a un système de fraternisation. Mouahar, comment on appelle ça. Peut-être qu'il va faire sa hijab et le révéler après. Il trouve Abu Darda, Moutabadila. Se laisse salo, il ne va pas intéresser avec la vie. Il dit avec madame là comme ça, qu'il arrive toi. Madame là dit comme ça, ton frère, de son frère en islam, c'est que ça dit qu'il est le prophète de fraterniser avec lui, Abu Darda. Laisse lahu hajatan fi dunya. Ton frère Abu Darda, il n'a aucun besoin pour une petite chose moderne. Alors il ne va pas prendre ma compte, parce qu'il va faire partie de la petite chose moderne, moi, il ne va pas prendre ma compte. Mais là, Abu Darda fait une la case, madame là fait une prépare à manger pour se méfier. Là,
Salman vient dire, plutôt Salman, Salman qui ne prépare pas manger pour Abu Darda, pour son frère, ce clan d'Islam. Il ne prépare pas manger pour Abu Darda, car Abu Darda vient de la case, Salman vient de manger. Abu Darda dit comme ça, Anna Sahim, Bobega Droza. Léla, Abu Darda vient de dire, là, Salman vient de dire, ben, je ne peux pas vous manger, je ne peux pas vous manger ce qu'il a te manger. Je ne peux pas vous manger, je ne peux pas vous manger, je ne peux pas vous manger, moi ici. Astel, il arrive le soir, il arrive pour aller dormir. Abu Darda, il me déboute. D'aller dormir, d'aller dormir, il me déboute pour faire un wafil. Salman, j'ai dit comme ça, dormi, d'aller te faire un wafil. Léla, Abu Darda, il finit dormir. Quand il arrive dans la nuit, faut dans la nuit ou bien le matin, il finit le réveiller pour lui faire. Salman, il finit de dire, Astel, tu as dit pour te faire un namaz. Léla, quand il finit comme ça avec lui, j'ai dit comme ça, oh Salman. Salman dit avec Abu Darda plutôt, il dit oh Abu Darda, certainement ton robe est un droit l'autre toi. Ton nafs est un droit l'autre toi, ta famille est un droit l'autre toi. Donne chacun ce droit. Là plutôt, cet événement-là, il est raconté au prophète, le prophète fait dire ça d'après Salman, Salman fait une cause vraie. Veut-il Abu Darda, il est tellement concentré au Akhira, parce que la nuit dans Ribada, il garde Rosa tous les jours, veut-il n'y a pas qu'un état de ce madame. Alors madame là, il parle de madame délaissée, sur les sal, les là, sa sahabida, Salman fin conseil Abu Darda, et j'ai dit certainement ton robe est un droit l'autre toi, ton nafs est un droit l'autre toi. Il veut dire qu'un michel, lui disait qu'on est qui sa famille, pour aller dire là, ta famille, in wali ahlika alayka haqqan, ta famille est un droit l'autre toi. Parfois, le michel aussi, pas qu'il y a des enfants, c'est madame qui a des enfants, pas qu'il y a des causes avec des enfants, pas qu'il y a des causes avec madame, ou bien michel ali. Ah, les discours avec son camarade dans des hauts la case, ou bien les occupes travaillent, ils travaillent beaucoup. Aujourd'hui, Jimon nous connaît. Là, tu vois, il a des difficultés aussi, ça aussi, non. Mais là, Jimon, sans aucune raison nécessaire, il donne beaucoup de temps dans ce travail. Finit sur la vie avec travail. Et pourtant, il n'est pas mort dans rien. Hein? Tu vas dire, il travaille, tu vas dire, il peut vivre pour l'éternité dans sa lumière, là. Non. Bizarre, prends en considération, madame et les enfants, sur ha. D'ailleurs, on était juste la dernière fois, elle, madame, lui veut dire que ce monsieur rentre la case, il occupe. Elle demande du monde pour la famille. Famille l'a dit. Monsieur l'a liste sur Internet, la masse, les sons. Alors, avec madame, il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucun paquet d'enfants. C'est madame qui a des enfants. Ça aussi, pareil, elle est mauvaise. Bien souvent, parfois, elle réussit d'avoir une couple qui l'a dit aussi. Monsieur l'a lui occupe d'Awa. En Dio, très peu de temps qu'il lui donne à ce madame. Ça aussi, pas bon. Il lui faisait donner le temps à ce madame. Aussi, d'ailleurs, le compte hadith. Je mentionnais la dernière fois, il y a trois ou quatre choses que le prophète dit, il bat tout, excepté. Non, il y a toutes les choses qu'un démon, il prend comme distraction, il bat tout, puis la récompense, excepté trois choses, il y a quatre choses. Un démon, il traîne ce pharas, ce cheval, il joue avec sa famille, il tient à l'ordre. Une petite chose qui lui paraît distraction, mais seulement, il y a la récompense là-dedans. Oula, abatahu, ahlahu. Il joue avec sa famille, il passe le temps avec sa famille, et la récompense là-dedans. Donc ça est important. Surtout l'époque qui nous peut vivre, aujourd'hui, tout le monde avec portable et tout le monde avec internet, bien journal, il n'y a pas gagné d'état possible. Avec ses enfants, avec ce madame, ça bien pas beau. Sa communication elle va passer. Alors ça, il peut avoir mal de problème dans la vie conjugale. L'autre petite chose encore qui paraît vraiment, vous pensez un gros problème ça aussi. Dans un couple, il y a du monde qui interfère là-dedans. Surtout si ce madame-là, il reste que ce beau parent. Avec beau-père et belle-mère. Beaux-parents ont interféré dans la vie de sa couple-là. Ça nous tendait beaucoup de plaintes qui m'ont madame une faire. Belle-mère rentre dans la vie couple, je t'interfère là-dedans. Si pas, vous ne comprenez pas. C'est quand même nous tendait qui, et les bancards qui nous tendait qui, dans l'absence de sa belle-fille-là, il est sur la salle avec son michier, sur la salle personnelle pour lui. Belle-mère rentre sur la salle personnelle pour lui. Fouille de celui de leur mort, ça en chine, hein. Ça va être quelque chose qui est vraiment pas bon. Là, tu vois, personne n'est pas content qui fouille sur ma petite soeur. Ça aussi, non. Alors, ça, c'est de la part de sa bonne belle-mère là. C'est manque de l'éducation. Ça aussi, un problème. Mais de toute façon, encore qui, je peux peut-être pas conduire bien. Comment, ou bien parfois, si pas dans la case, il y a beau frère resté. Alors, c'est interféré dans sa couple là. Je ne connais pas de toute façon. Mais interférence, du monde dans un couple, ça n'est pas bon. Quand il se coupe, ça lui disait private, empêcher madame, en décision pour empêcher madame, à l'époque, il y a du monde qui interfère dans la vie d'un couple. Ouais. Parfois aussi, il y a un cas côté d'un parent, un monsieur et madame. Je pourrais, il y en a dit, je ne comprends pas pourquoi il y a des enfants, mais je reste dans la case avec vos parents.
les enfants, vos parents prennent les enfants à l'école. Ça reste là où c'est pas les enfants allaient à la prendre mauvaise façon de faire du côté de vos pères, belles-mères. Là-bas, dans la cage, dans la main des jeunes beaux-frères, qui pénalisent, ou bien vos parents pénalisent. Mais les enfants-là prennent mauvaise manière là-bas. Ou bien, maman, garçon-là, ils soutiennent les enfants-là et les autres qui tenaient pour qu'ils appellent la télévision. Alors, qui dans sa couple-là, c'est strict, là. Hein, pas les enfants qui tenaient pour qu'ils appellent la télévision, mais quand ils sortent dans le contrôle, là, dans vos parents, là-bas, ils n'ont pas une. Ma négligence qui fait les enfants là, ils apprennent mal mauvais quitteuse, ça aussi est un problème. C'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de difficulté quand un couple peut vivre avec maman papa. Il y a beaucoup de difficultés en vérité dans la vie actuelle qu'il veut vivre. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent parfois quand je dresse avec. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire qu'il s'agit de sa gosse, il ne peut pas dire qu'il est maman papa, non. Mais la réalité est comme ça qui ça occasionne beaucoup de problèmes. Il occasionne beaucoup de problèmes dans votre couple. Ce qui nous tend. Nous ne pouvons pas faire un survey pour nous connaître quantité, mais beaucoup nous tendez des petites choses pareilles. Aussi, nous mentionnons concernant Rihanna, quelque chose qui est bien grave, veut dire trahison, infidélité de la part de Michel ou bien madame. Ça, c'est pas un problème. Ça vraiment, ça n'a pas petit problème. Ça va un problème qui une fois si finit l'infidélité, mettre fin à sa nikah là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit hadith, iyakum wa dukhul ala nisa. Faire attention, s'inclure avec une madame étrangère. Le lundi, on avec Paul Iman Ansar qui te présente, il dit, ya Rasulallah, afaraït al-hamou, qui te pensait concernant Michel là, ce ban frère, mais déjà vis-à-vis sa madame là. Madame là, ce ban beau-frère. Madame là, ce Michel, ce ban cousin. Ban côté beau-parent, ban Michel. De sa côté ça. Il dit, qui te pensait le ban Hamou? Moi, je dis, Hamou, c'est côté Michel, là, c'est ban frère, c'est ban cousin. Le prophète dit, Al-Hamou, maut. Al-Hamou, ban famille de Saint Michel, là, c'est l'amour. Imam al-Nawawi, il explique ça. Il dit, qui veut? Il dit, Anna al-Khawf, akhtar, minou, akhtar, min ghayrihi. Il dit, il n'a plus beaucoup d'anger quand il s'agit de famille Saint Michel, là, beau-frère. Parce qu'il lit, il n'a plus accès avec sa madame, là. Parce qu'il est frère, ça. Il vient de la case. Donc, vous avez fait attention avec ça. Ça, c'est à l'époque là, c'est imaginé. Vous pouvez poser à l'époque, c'est à l'époque, madame, tu fais travail. C'est la grâce. C'est là, nous, Michel, on travaille en dehors. Nous travaillons avec madame dans le bureau, dans l'école. Ça, c'est pareil. Vous avez fait beaucoup attention. C'est que l'époque qui nous veut vivre. C'est pareil. Nous avons une du monde qui, bien en digne, finit arrivé, il n'y a pas d'élevé. Parce qu'il trouve ça accès avec le sexe opposé. Du monde qui est la digne. Il n'y a pas cause du monde qui permet d'appeler la digne dans la vie. Du monde qui est la digne. Alors, ça, c'est quelque chose qui vraiment, vraiment, ça, vient d'une protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est pas fini à l'abri avec sa quelque chose. Personne n'est pas à l'abri. Alors, qu'il soit madame, qu'il soit Michel, comme madame a travaillé en déo, ça aussi pareil. D'ailleurs, il y a un témoignage qui m'a dit de faire, par exemple, dans la fonction publique. Hein? Par exemple, moi, je suis fonctionnaire, donc je ne sais pas quand je vais descendre pour lui, mais il y a un collègue, madame, qui me prend le chemin, en passant le chemin, me prend juste, m'amène juste au travail. Tous les jours, pensez à madame, sa familiarité là, vous venez ça, ni naturel ça. D'ailleurs, l'islam il enseigne le hijab. Hijab, c'est pas ça, vêtement là. Hijab, c'est garder une distance. Mais une fois que vous pouvez prendre madame avec vous dans le tête tous les jours, vous finissez familier. Alors, ça, il y a beaucoup de danger là-dedans. Donc, de la même façon, la madame qui travaille en dehors de la case, ça aussi pareil, ça occasionne beaucoup. Il y a un témoignage qui m'a proche qui travaille dans le bureau. Il raconte une situation beaucoup, beaucoup pas bon, bien, bien pas bon. Dans sa bureau, fonction publique, dans mon travail, dans ma compagnie, côté de ma monsieur, dans mon travail, beaucoup, beaucoup de problèmes. Là. Donc, ça aussi pareil, sa infidélité là, familiarité, madame, il y a un camarade, de ma collègue de travail, de monsieur, il y a un collègue féminin de travail, message après message, ça aussi nous trouvons jusqu'à professeur de madrasa, avec Miss Madrasa, ça aussi malheureusement, hein, une communication, le SMS. Ah, le choix là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, bien éviter les petites choses pareilles. Alors, ça, c'est le problème qui amène les petites choses au ménage. Hein, le problème ménage, et c'est l'infidélité. À ce moment-là, nous ne modifions pas le travail à l'université. Du coup, l'université là-bas, pareillement, ça contact avec le sexe opposé. Il vient des affaires normales, il vient des petites choses, il faut une familier. Mais là, il n'y a bien pas de problème. L'autre quitteuse, nous avons encore un petit peu vite, Lola.
quelque part après la nuit, l'écoute du 28, ça qui est là. Nous avons aussi, quand nous finissons dire, c'est quelque chose qui est mieux. Nous finissons apprendre quand un hadith, quand un Michel désire sur madame là, il vous a accepté, s'il n'y a aucune raison. Voilà, pour les pouvoir dire, même si le code dit fait, il vous a accepté, satisfait sur monsieur. Pareillement, ça aussi parfois nous ne pas penser, Michel a aussi pareil, madame là, il a un droit. Il m'a dit, il finit questionné, dans le Bajmoul Fatawa, Fatwa de Mbetaïmiya. Il m'a posé une question concernant un Michel qui n'y fait un rapport avec ce madame pendant un mois ou bien deux mois. Est-ce que ça, Michel a légué un péché? Est-ce que ça, Michel a légué un péché? Ibn Taymiyyah fait une réponse, il dit, il est obligé de satisfaire ce madame d'après ce qui est raisonnable. Il mentionnait, il dit, sa désir sexuel là, il est plus fort qu'il a besoin de nourriture. Et ça, il te dit vrai. Hein, ça, instinct qu'Allah mettait, il est plus fort qu'il a faim. La conseil lui dit, ça lui plie, avant de m'initer à Miha, lui plie important qu'il y ait une madame, sa madame là, mangez. Il a fait parce qu'il y a une conséquence, c'est grave. Lui dit, il a un savant, fin dire, dans 4 mois. C'est ça minimum, ça minimum. Dans 4 mois, au moins une fois, Michel a fait un rapport avec ce madame. Mais c'est moi, il a aimé, il dit, non, ça qui plie, l'opinion qui plie, vrai, veut dire, il faisait satisfaire sa madame là, d'après ce désir, il faisait faire ce mieux pour lui satisfaire sa madame là, ce désir. Et un événement qui vient d'arriver dans l'époque de Omar, Omar petit calife. Moi, je connais Omar, il était content, bon, c'est le chemin, il était qui m'a un problème. Il me passe contre la case, une madame, elle dit bon, il y a une madame, et bien l'arabe, je dis faux d'un poème. Une madame, il peut dire un poème, il peut exprimer ce désir pour son monsieur parti là, son monsieur de la djihad. L'idée de cette madame là, il peut dire un poème, et il finit de comprendre que sa madame là, il a désir pour son monsieur. Et après, madame là dit, un poème bien explicite, Wallahi laoula khashiatel. Il dit, si pas tu es dans Allah, il dit, tu peux finir ton d'azina. Il dit, madame là, c'est celle qui tueuse. Celle qui tueuse qui veut protéger contre ton d'azina, il dit, si pas tu es dans la crainte d'Allah, alors il finit de dire une parole qui veut montrer qu'il dit, tu parles de zina. Léla, Omar Kalintanza, Omar radiallahu anha, il dit, ce tifi, Hafsa. Hafsa, c'était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh, mon tifi. Comme dans ce livre, combien de temps une madame est capable de prendre patience, mais elle est dans la relation avec ce monsieur. Tu vas étonner l'homme, son papa a posé une question comme ça. Et d'ailleurs, quand il a pour cause de la vérité, la pudeur est une question normale, mais seulement pour prendre hâte, c'est à un moment-là, pudeur, il ne fallait pas lui venir boyer pour cause de la vérité. Tu vas étonner l'homme, il dit Subhanallah, mifluka yas'al mifli an hada, il dit avec son papa. Un dimanche comme toi pose une question pareille à moi. Elle finit naturellement, elle suffit ça. Mais là, Omar dit, il y a Omar qui dit, il dit, si vous partez dans la traque pour un musulman, pourquoi tu poses la question là? Et là, tu finis à dire, Khamsata Ashur, Sittata Ashur, il dit, madame, tu n'as pas prendre patience, 5 mois, 6 mois. Et là, à partir de la réponse de sa madame là, Omar radiallahu anhu, il met la loi. Ban kal da jihad, ban tougou rappelle ça. Il y a une place qui va l'homme aller ça. Elle fait mourir du toit. Elle fait dire, surveiller l'ennemi, ou même une expédition. Les filles mettent la loi, un djimoun qui a le djihad, il reste 6 mois en déo. Elle fait dire, il faut faire un mois, il faut être dans Madina, il faut faire ce voyage, il faut rester 4 mois dans sa place là. Maximum après 6 mois, il faut rester sur la case. Elle fait dire, 6 mois, un soldat, un moudjahid, il faut rester sur la case avec ce madame. Après, elle a l'air à l'eau, le frontière. Donc, il veut dire que ça qui est ce qu'on appelle prendre en considération. Sa madame là, ce besoin, par exemple, Michel là aussi, pareil, rien pourtant. Surtout, l'époque qui nous peut vivre. L'époque qui nous peut vivre, le mariage, c'est un moyen, d'ailleurs, dans la langue arabe, moi, je viens de dire. Un djimoun qui marie dans la langue arabe, il y a un mouhsan. Hishnoun, dans la langue arabe, veut dire une forteresse. Un djimoun qui marie, appelé mouhsan. Un djimoun qui protégé dans une forteresse, c'est une façon. C'est-à-dire qu'il marie, il est protégé contre fitna. Donc, ça, Michel, sa madame là, je besoin protéger à l'autre. Je un vêtement pour sa madame là, madame un vêtement pour ça, je veux dire, ça qu'elle protège ce prochain d'une façon qui, Michel là, ni madame là, lui besoin désir un quelqu'un en dehors du couple. Ça, important dans le couple pour protéger contre Zina. Là, quelque chose qui me trouve un peu drôle, quelque chose qui nous entendait, Michel se dit, bonjour madame là, pour madame là, il n'est pas capable d'avoir des enfants. Tout ça, un peu bien souvent, quand ça va être pareil. Tout ça, c'est dans le cycle là-dedans. Hein? À cause de madame là, il n'y a pas de gagner des enfants. À cause de ça, Michel là, il divorce madame là. Ça, c'est pur jahiliya. Hein? Surtout, parfois pas connu. Il n'y a pas Michel là aussi, il n'y a pas de gagner des enfants. Ça aussi.
Mais fait que moi, t'as une confirmé qui madame là qui n'a pas de problème. Au sein de ce divorce, madame, tout ça, et puis, un raisonnement bien banal pour afficher une petite chose pareille. Ensuite, l'autre petite chose encore qui est importante, c'est que oui, il est vrai qu'elle, madame, n'est pas besoin de faire rythme de beaux-parents. Oui, je dis la dernière fois, c'est vrai. Il n'y a pas aucune obligation pour faire rythme de beaux-parents. Mais seulement, il faut partir dans Ono Saint-Michel. Parce que Saint-Michel, du monde qui est plus cher à lui, son maman, papa, l'islam qui dit ça. Ce n'est pas nous qui dit ça. Un Michel, quand il est mort, il ne fallait pas lui penser qu'il oubliait son maman, papa. Son maman, papa, avant tout. Allez, frère, là. Pareil, ça, madame, quand il est mort, son maman, papa, son maman, papa, son Michel, son Michel. Son maman, papa, du monde qui est plus cher à lui. Elle a pris ce rappel-là, lui. Donc, qui veut dire qu'il y a une madame qui est mort. Il est vrai qu'il n'est pas là pour faire aucun rythme de beaux-parents, mais seulement, il est besoin d'Ihsan, il est besoin de la considération pour ce beau-père, pour ce belle-mère. Il est besoin de faire sa bonté. Si il y a pour aider certaines vitreuses, il y a pour donner pour la belle-mère malade, c'est pas beau-père. Il est besoin, madame là, il est besoin de faire sa vitreuse. Il est pas, il faut partir dans être vivant bonté avec ce monsieur. Donc, ça aussi, nous donne bonne. Ben, du monde qui a une belle fille, ma belle-mère aussi pareil, je plains que j'ai une belle fille. Une belle fille là, il dit comment dire, parfois, madame, il a jalousie. Quand je dis la dernière fois, il a sa qualité là devant madame. Maman là, il a ça, ce garçon, ça, il a une certaine jalousie envers ce garçon, il est possessif envers ce garçon. Madame là aussi pareil, il est possessif envers son michier. Donc, vous avez un contrôle ça, de ça des côtés là. Sa belle fille là, sa maman là aussi pareil, vous avez un contrôle ça. Instinct de possession, c'est instinct de jalousie là, vous êtes contrôlé. Donc, ça madame là aussi, il vient à Ersan, envers, pas faire l'équerre, ça, Michel là, son maman, papa, moi je viens dire, il vient réaliser, qui ça, Michel, son maman, papa, ça, hein, du monde qui est plus cher à lui. Donc, il fallait pas qu'il fasse une petite chose qui peut amener un problème avec beau-père, belle-mère. Donc, ça aussi, il est important. Un dernier point qui peut-être nous n'avons pas pensé, c'est aussi le, il a dit, il a un conflit, le, en ce qu'il s'agit, grandis enfants. Moi, je pense que sur la discipline, Michel a un petit peu laissé aller. Alors, ça, vous avez besoin de la communauté entre Michel et madame. Vous avez besoin de connaître. Donc, moi, je veux dire, vous sa communication là. Comme par exemple, aujourd'hui, les enfants sont invités à la télévision. Alors, papa là un petit peu plus indulgent, il a plus souplesse, papa là un petit peu plus strict, n'importe des côtés. Bien, il y a la corité là, pas un conflit en ce qu'il s'agit. Sinon, quand les enfants font une erreur, papa là, disons, il décide pour donner telle punition. Maman là, il oppose sa punition là. Divers enfants là même. Les enfants là, ils mal élevé. Vous voyez, les enfants mal élevés de la façon là. Ou bien parfois, ils ont beaux parents. C'est pareil, c'est une façon, ils ont beaux parents. Ils dada, ils dadi, ou bien nana, nani. Je n'ai beaucoup de sentiments pour ces petits enfants. Alors, les parents décident pour donner sa punition là. Alors, dada, dadi, ou bien nana, nani. Alors, en compte de ça, je garde ces enfants-là. Alors, ça aussi, il y a une bonne source de conflit dans le couple quand il y a un problème en ce qu'il s'agit pour grandir enfants. Voilà quelques bonnes points qu'il ne peut pas imaginer, bonnes causes de problèmes de ménage, dans le ménage, dans le couple. C'est là que tu as un petit guide, bonnes questions qu'ils ont bien ajoutées, bonnes questions, bien bonnes commentaires. Et pour un petit guide. Il y a quelque chose que j'ai envie d'ajouter ou bien quelque chose qui n'est pas clair. Soit avec le papier. C'est un maître plus grand qui a plus d'expérience. Bon, il y a ça qui n'est pas dit pas mal dans le livre aussi ça. Bon, il y a quelque chose la vie Moria, c'est pas mal dans le livre. C'est ben, du monde qui a vécu 10 ans, 20 ans avec madame, j'ai encore plus mal d'expérience, mal tactique, mal qui j'ai développé par eux. Je ne peux pas dire, je ne peux pas commenter, je ne peux pas dire. Même madame aussi, je ne peux pas dire qui m'a dit ce que j'ai trouvé. Bien, la question de papier, c'est quelqu'un qui va question de papier, je ne peux pas avec eux. Sinon, nous terminons, nous faisons un point de directeur 5 et 10 là. 25 minutes, après nous continuer. Question, rapidement. Est-ce qu'il y a une madame restée, au voyage avec ce beau-frère? C'est-à-dire ce monsieur, ça aussi, par contre, de haram. Oui, il n'y a pas qu'un droit.
parce qu'il se sur pas mahram. Parce que lui, un beau-frère n'est pas mahram. Il y a avec ça mahram ou aqad. Veut dire, sa madame là, ce beau-frère, il y a un mahram temporaire. Peut-être que ce monsieur m'a dit qu'il va voyager avec lui. Il n'y a pas un mahram qui va voyager avec lui, ni il gagne le droit, quand il mange le hadith. Il n'y a pas un mahram qui va avec ça, sa madame là. Donc voyager aussi pareil. Il y a beaucoup de parents côté Tifi à créer problème que nous sommes. Je trouve à mettre l'eau dans la case de Tifi qui est capable de dire l'eau. Question bien générale. Qui a des problèmes? T'as Inch'Allah nous met l'eau ça. Comment Coran dit quand il y a un problème chez madame? Comment solve ce problème là? Qui Coran dit l'eau? Sa question là, Inch'Allah nous met dans sa explication là. Jusqu'à qui limite il s'en permet un garçon pour rester loin avec son parent après qu'il ait fini de mourir? Si ma mère n'a pas pérès, vraiment, une longue question là, c'est à qui limite l'islam permet un garçon pour rester loin avec ses parents après qu'il ait fini de mourir. On arrête là. Si papa là, fait que ma mère n'a pas là, il est au 16 boulons. Bien, ben, il est, bien, occupé. Le garçon là, bien, faire tous les jours, ça, il vous verra. Donc, papa reste loin avec son papa, il vous bien reste avec papa là. Là, il y a un test pour ça, il vous bien accepter. Voilà. Donc, tout ça, là, c'est ce qui limite l'islam avec un garçon restant avec ses parents. Quand c'est qui parent là, il vise un garçon là, naturellement. Quand il vise vraiment, pas pour une affaire inutile. Garçon là, pour vise faire pour ses parents, c'est une personne. C'est des voix ça. Avec moi, quand ce garçon là tient des enfants, papa, maman, il y a des comment papa, il y a des gens ou sahib, ou ma fille d'unia, à la pécouse concernant dans Surah Isra. Concernant un parent qui fait faux ce garçon, ses enfants pour faire chier. Allah dit, fala tout yahouma. Mais c'est moi tout de suite Allah dit وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Reste avec sa parent kafir là. Sahaba. Sahaba, il reste en compagnie. Il veut dire accompagner Dieu. Gars, on a bizarre accompagner maman papa. Maman papa, si bien la personne bouge Dieu. Donc, il tue des pannes. Qui quantité, qui limite, c'est qui limite. Quantité qui bizarre, il vous a fait. Si tous les jours, vous avez allé papa, maman, pour vous faire. Travailler tantôt pour vous faire. Vu qu'il quand reste ensemble, il y a un problème. En tout cas, oui. Il me dit, bien souvent arrive un problème. Elle a besoin de guetter. Comment est-ce qu'il est capable d'avoir une solution pour savoir un problème de nos jours? Moi, je vais me dire, si nous trouvons pas arrive un problème, garçon là, d'ailleurs, il y a un cas exact. Trouver garçon là, parfois il y a un maman, vos parents qui prennent la connaissance, dit, bien sûr, un problème avec eux. Alors, papa, garçon là, il vous a retiré, il paraît avec papa, papa, si vous n'avez pas de problème. Mais moi, je vais me dire, si vous n'avez aucun problème, garçon là, il est capable de rester, il est bien, il est nous veut dire rester séparés si il y a un problème, mais si il y a un problème, restez ensemble hier, parce que maman, papa, vous avez fait ce traitement. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a des enfants ou plutôt un garçon qui est obligé, responsable, pour les capables de faire traitement de ses parents? On va bien dire, ça ne finirait pas, il veut dire si papa, maman, avait besoin de traitement, levez tomber, maman, papa, le lili, qui vous fait? Bizarre, pas de garçon, là, obligé, mais. Et il y a un petit fils qui m'a dit comment il est capable de faire rythme de ses parents. Ok. J'ai dit à Fatwa, je dirais qu'il rythme de Michel quand un petit fils qui m'a dit. Fatwa, il y a une divergence à vos connaissances. Quand un petit fils qui m'a dit, le rythme de son Michel vient avant son maman-papa. Ça, Fatwa, il y a une autre. Mais seulement, à ce type de personne qui est maman-papa, ça, Michel, il comprend qui. Ce madame, il disait que ma papa, qui vous êtes émancipé, il n'y a aucun enfant, aucun garçon pour vous dire. Là, tu vis là, il faut bien faire. En passant, je vous raconte une affaire qui, dans l'Arabie, arrive ça. Et au contraire, voilà, tu fais un petit programme là, parce que là, il faut voir sur le corps. Et là, des dimons, vieux dimons âgés, hein, des vieux dimons là-bas, blancs, car 70 ans, voilà. Zone gagne dispute. Hein, qui dispute zone gagne? Des frères, ça. Elle là, il est marié, la madame, les enfants. Elle n'allait pas marier. J'ai une maman encore là-même. Maman bien vieille. Ça a démiché là, je déjà vieille. J'ai une maman bien vieille encore. À ce temps, qui est arrivé, ça a défrayé là, je peux la guérir. Elle n'a pas dit, moi, je prends maman pour mettre la case. Donc, moi, je dis non. Je prends ça qui est ça, je mets ça à la cour. Divan juge. Amène ça devant juge. À ce temps, juge, mais questionne tous les deux. Les là, juge là, pas fait capable de trouver une solution. Ça, qu'elle met la guerre pour gagner la gorge de maman. Léla, juge là, il fait appel maman là, récit fait maman là, vient dans la cour, malgré qu'il est vieux. Pose question sur madame là, mais de hadi garçon là, laquelle tu préfères? Maman là, dit comme ça, ça n'a pas qu'on va dire moi chez droite, ça n'a pas qu'on va dire moi gauche. Maman là, dit la parole là. Astéa, juge là, vous êtes une verdict, ça n'a qu'il vous garde maman.
Et moi, il a même pas moi. D'après tout ça, là, qui disait, il prend la gueule de maman. Qui moi, là. C'est pas grave, un gosse ou ça. Alors, ça tient de vue là pour nous. Ça tient de vue là. Parce que c'est des informations. Il va ça après qu'il m'a malin est beau. Il est là, sa gosse qui me perdit la gueule de ce maman là, il me pleurait, il me dit à frère, elle fait du double au moins, il prend maman là. Et comment, ben, les enfants, de Tina, sa quantité. Côte grandir, maman, papa. Donc, c'est une petite chose qui. Michel a aussi pareil, sur madame, sur maman, papa. Les besoins scientifiques, là, peine à personne pour l'été, Michel a besoin de comprendre qui. Besoin de laisser maman, besoin d'accepter ma thèse. Elle a fait ma thèse de différents façons. Michel a besoin de faire sacrifice. Il fait sur madame, guette aussi sur maman, papa. Quand c'est qu'il est capable naturellement, tout qui se besoin d'un juste milieu, et un raisonnement, là, côté bien, le besoin, c'est même qu'Allah, les prophètes disent, Fattakullah, mastatouakou. Paye Allah quand c'est que je suis capable. Paye Allah quand je le vois. Si elle, madame, n'est pas gagné droit à l'expression dans la case, sans permission sur Michel, et surtout, bah, du monde qui n'a pas fait des plaisirs. Est-ce qu'elle, Michel, il n'a pas pour faire telle chose dans l'absence de ce madame? Michel, là, sur la case, ça du monde qui rentre dans la case, là, aussi longtemps qu'il est dans le qui est haram avec lui, ce droit, il fait plaisir, madame. Ce madame, content, pas content, ça, Michel, là, sur la case. Naturellement, si un étranger vous venez, vous faites dito, vous inquiétez, mais c'est moi, il n'y a pas de bouchon avec madame là. Madame là qui va avoir bouchon avec Michel là. Est-ce qu'il y a une madame qui a droit dans sa case là qui est occupée et fait tout pour sa famille là-dedans? Est-ce qu'il y a une madame qui a droit dans sa case là, la case qui est occupée là et fait tout pour sa famille? Fait tout pour sa famille là-dedans. Vous comprenez? Mais en tout cas, c'est qui? Michel là, il y a un droit. Naturellement, si un dimon qui vous vient dans la case là, il vient créer des autres. Il veut mettre l'esprit dans l'esprit de Michel là. Madame, vous êtes cause avec Michel là. Père Michel là comprend. Mais seulement, Père Michel, c'est madame qui m'a permission avec Michel pour faire un monde étranger dans la case. Michel, il va prendre permission. Naturellement, les conseillers, c'est un mauvais un monde qui est mauvais. Il va mettre un problème dans la case. Madame, là, vous êtes Père Michel là connaît. Si un Michel n'a le moyen pour employer une servante, ça va s'aller retourner dans sa masse l'Afrique là. Si un Michel n'a le moyen pour employer une servante, une bonne, est-ce que les Gaillois obligent ce madame à faire une tasse ménagère? Ça va cela là. Ben, c'est avant de diverger. Sa réponse à l'ibase de sa masse d'Afrique là. Est-ce qu'il y a une madame qui est obligée de faire khidmat sur Michel? Et là, madame dit non. Rien à vous faire khidmat sur Michel. Rien à vous faire khidmat sur Michel. Mais la madame dit non, il est obligé de faire khidmat sur Michel. Moi, je veux dire, masse là, ça qui paraît plus l'opinion qui paraît le rayon de dire, c'est qu'il y a une madame qui est obligée de faire khidmat de sur Michel. Ici, madame pose une question. Hein, est-ce qu'il. Si un Michel a moyen pour employer un servant, ce qui est obligé sur madame pour faire ma tasse ménagère. Du coup, bah, je sa réponse là. Moi, personnellement, on veut dire que madame est obligé de faire rythme de ce Michel. Astère, Michel a les riches. Il n'y a pas de sacrifice. Je veux dire, pour lui employer un monde, il n'y a pas de sacrifice pour lui faire ça. C'est trop facile pour lui ça. Alors, bah, bon, c'est ça, Michel là. Il employe un monde, il met à l'aise sur madame, il donne facilité sur madame. Ça. Est-ce qu'un Michel a un droit d'être sur madame? Pas faire l'ouvrage. Si madame là fait l'ouvrage dans la maison, elle y travaille et Michel là content quand madame là travaille. Est-ce que Michel gagne le droit d'être sur madame pour faire l'ouvrage? Si madame là fait tout l'ouvrage dans la maison, elle y travaille et Michel là content madame là travaille. On veut dire, Michel là il a envie de faire travail la car, madame là travaille en haut. Regarde, oh, comment calin. Non, mais Michel, pourquoi on est mal? Comment est-ce qu'on est sur madame pour aller en dehors de la carte? Comment est-ce qu'on est capable? Il est sur madame, il peut sur madame dans sa case, puisque madame travaille. C'est drôle, mais Michel est sur madame dans la carte en dehors. Est-ce qu'il y a une limite de temps pour être Michel à côté sur madame que sur maman, papa? Mais il n'y a aucun hadith à être pour un qui mentionne limite de temps. Parce que moi, il y a une bonne petite chose qui, dans l'islam par exemple, il y a une bonne savante, par exemple 10 ans, un dimon sur 10 ans, il y a 10. La plupart, ça va dire 10 ans, dimon, il y a 10. Il y en a qui me disent non. Il y a pas de monde blessé. À ce moment-là, il y a un petit qui dit 10 ans dans mon lèvre. Bah, ça va dire comme ça, s'il y a beaucoup, pas qu'à faire d'avance avec sa lèvre. Si les tigres, comment faire la mal? Beaucoup de tigres, comment vous définir ça? Et là, ben, ça va se dire comme ça. Une des manières façon que j'explique ça, c'est qu'il dit mon aligueté, c'est qu'il dit un dimon normal peut considérer comme beaucoup. Si un dimon normal ou ça beaucoup, là, il n'y a pas qu'à faire la mal avec sa lèvre.
Vérité, pas nos jugements, ça dit mon là. Et ceci pareil, sa question là, c'est est-ce qu'il y a une limite de temps pour sa Michel là, amène sur madame, que sur maman, papa, madame, sur maman, papa. Peina dans le hadith pour rendre peina. Mais un affaire qui est raisonnable, servir l'intelligence. Après, je dis qu'aujourd'hui, il y a un téléphone, il y a ça. Mais dans la facilité, ça a les juger, du moins là, les juger, d'après ce facilité. Michel là, par exemple, il peina madame, ce banma, apparaît sur moi, il faisait pour un bis aller. Et Michel travaille beaucoup, il travaille 6 ou 7, il a une occupation. Alors, Michel, tu l'as la corité, je choisis. Mais si Michel là, il a le tour, il a les temps libres, naturellement, il fait plaisir sur madame quantité. Fattakullah, mastatwa'atou. Fais un kit sur, fais plaisir à Allah. Paye à Allah quand c'est que je suis capable. Est-ce qu'un Michel n'a droit à refuser pour accorder? Non, mais Michel là, on ne connaît pas, il a droit pour refuser. Mais moi, je dis fatwa là, mais seulement, logiquement, comment dire, Michel là, il nous amène sur madame Kotso, mon papa, parce que sa madame là, il a, sur mon papa, il nous a fait son rythme, c'est maman papa, dis-moi qui vient pour le sur la vie. Moi, je dis pas, fatwa non, mais seulement, logiquement, qui Michel là, il nous amène sur maman papa, c'est pas aucun problème, il nous amène sur madame Kotso, maman papa. Est-ce qu'il y a un genre, il a droit envers ses beaux-parents? Est-ce qu'il y a un genre, il y a un droit envers ses beaux-parents? Toi qui vous connaissez, parents, beaux-parents, là, pas droit, non, il n'y a pas aucune obligation envers. Je pense que vous connaissez, mais non, il y a un chimie là, correct? Qui casse la tête dans votre groupe? Non, les parents, les parents, il n'y a pas un droit envers la fin de l'état. Si fille, son madame, ça, leurs parents, ça. Est-ce qu'il y a une belle fille? Une belle fille n'a. Ah, c'est ça. Est-ce qu'il y a une belle fille et n'a droit envers ses beaux-parents? Moi, je veux dire, belle fille, il n'a aucun traitement pour lui faire envers ses beaux-parents. Ça ne peut pas me lire. Mais pas lire aucune fois, toi qui dis qu'il bat de beaux-parents, il a qui devant envers sa belle fille. Mais toujours, il y a ça, quelque chose qui appelle vivre en bien, en bonté. Ça, peut être envers petit bruit. Voilà, ça, c'est ma question. Nous venons maintenant avec. Donc, pour un, comment Allah Ta'ala une cause concernant résoudre problème, quand il y a un problème entre Michel et Madame. C'est obligé d'être madame là. C'est ça la question. Est-ce qu'il est obligé d'être madame là pour abandonner le travail? Si madame là fait tout le bras, c'est pas mal à rien pour les faire. Non, mais si Michel madame travaille, Michel là il est content madame là travaille, et je pense logiquement. Et d'ailleurs, surtout si madame là avec ce logement, il peut aider dans le ménage. Michel là, c'est un agrément, une négociation qui vaut. Parce que si vous travaillez, vous avez besoin d'un coup de main pour faire le travail là. Si vous travaillez, vous avez. Mais vous pensez qu'il vous pensez, vous ne pouvez pas dire faire quoi là, mais vous pensez logiquement si Michel est content que madame là travaille et il est d'accord qu'il travaille. Vous avez besoin d'aider. Le hadith, le prophète, ça ressemble, je vais faire un rythme de ce famille. Mais vous êtes même juste milieu, divise ma tâche. Ok? Ok, bismillah. Nous venons avec le Coran, comment Allah Ta'ala les causes concernant comment pour résoudre le problème entre Michel et Madame. Allah Ta'ala dit un petit peu vite, si on a massé le polygamie aussi. Wallati takhafuna nushuzahun, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Allah dit un qui se pépère de la part de Madame qui se désobéit, je ne sais pas écouter Michel. Takhafuna, et là, ça va venir dire. Il finit réaliser, désobéissance, ça finit arriver. Il y en a qui disent non, je peux trouver qui madame va faire la désobéissance. Faridou Hunna. Alors, faire waaz. Waaz, ça veut dire waaz. Ça veut dire avertir madame. D'ailleurs, Ibn Kathir explique ça verset là.
Il m'expliquait comment Michel a fait Wa'ad. Il mange un hadith. Si tu n'as pas pour lui, quelqu'un fait un sijda pour elle, l'autre. Madame, tu t'es fait un sijda pour son Michel. Mais Michel, il rappelle ça, madame, là. Pense à un hadith, là. Qui va droit? Tu as besoin d'obéir à moi. Qui Allah sera sur le dire? Faridou Hunna. Alors Michel, il dit à madame, là, il rappelle. Wahjourou Hunna. Déjà, s'il n'est pas bien écouté, Wahjourou Hunna. Alors, éloigne ça. Fais hijra. Wahjourou Hunna, il y a le mot hijra. Wahjourouhunna fil madaji'. Fais hijra avec sa madame là dans le lit. Alors, dans le guide de tafsir, qui veut dire ça? Je prends par exemple Ibn Abbas. Ibn Abbas dans le tafsir de Mekathir. Ibn Abbas dit ici, Hajran, mais déjà fait hijra avec sa madame là, c'est qui? Il n'y a pas une relation avec lui. Et il dormit au même, il lit, mais seulement il tourne sur les deux. Il tourne sur les deux avec madame là. Quand il dormit, il tourne sur les deux. Et dans l'autre riwayat de Ibn Abbas encore, quand il dit, il n'y a pas causé madame là. Il n'y a pas causé madame là. Donc, nous retournons avec verset là. Ban qui je peux faire vers la désobéissance, ou bien ban qui veut désobéir à eux, alors avertis eux, faire hijra avec eux. Donc, hijra avec eux dans le lit, veut dire, pas une relation, et là qui vient dire, dormir dans le même lit, on va venir à Bas, on dit ici, dormir dans le même lit, c'est moi, tourner les deux avec lui, pas cause avec lui. Alors, il fallait réaliser qu'il est vénéré. Wadrebuhun, pas de eux. C'est la troisième étape. Troisième étape. Aster, le petit cause a fait battre. Si nous trouvons ce verset-là, il est clair. Nous avons des tafsirs. Et nous avons fait les dire comme ça que si on a dit à Maouïda, il ne causait pas de mosse, ni quand il abandonne sa madame, il avait déjà tourné les doigts avec lui, pas cause avec lui, puis il a un rapport avec lui. Falakoum en tadribouhoun, darban gaira moubarrah. Alors, les PM ici, pour se battre sa madame-là, une façon qu'il n'est pas blessé sa madame. Mal. Il me dit, il me prend le blessé sur parole, là. Il ne peut pas payer un interprète par moi-même. Ibn Kathir les consignés, les mentionnent hadith, qui vont te manger là, les mon père dit Père, Allah consigne la madame, parce qu'il s'appelle madame là, ban prisonnier auprès de jeunes. Awan, le naïm de Koum. Awan, c'est ban prisonnier auprès de jeunes. Comment le prophète explique à madame sa position? Il y a un tiers sur la case, les sous-commandements, il y a un prisonnier auprès de vous. Voilà, Koum alayhim, je n'ai pas le droit, l'eau, je. Et parmi mon droit, c'est qui? Je n'ai pas le droit, l'eau, c'est madame là. Parmi mon droit, c'est qui s'appelle madame là, il ne fallait pas laisser personne rentrer dans la case. Sans oublier Michaud. Fa'in fa'alna, parce que le prophète dit, si madame là, il laisse quelqu'un rentrer dans la case sans oublier Michaud, fa'dribouhun, le prophète dit, parce que, une guerre avec le Coran, c'est parole du prophète, fa'dribouhun, darban ghayra mubarrah, bat-zut, une façon qui n'est pas pour blesser. Walahunna rizkuhun, mais continuez de donner de risque, de nourriture, qui soit hunna bil ma'ruf, et de vêtements, d'après ce qui est raisonnable. Ensuite, verset là, continuez, qu'est-ce qu'il y a à dire? Fa'in ata'anakum fala tabu alayhim nasabila. Si ça va madame là, il obéit, après qu'il n'avait dit je, ou bien quand il reste avec je n'obéir, ou bien même il va l'obéir, il bat tout, elle comprend. Alors, si madame là, il obéit, je retourne de l'obéissance, par au-delà du chemin, vous transgressez, vous savez madame là. Inna Allah, dites comment Allah termine sa verset là. Inna Allah kana aliyan kabira. Allah dit très haut, dit kabir, dit grand. Mais déjà, il me fait mentionner, Allah dit qu'à partir de vengeance, l'eau zut, zut fait zulu, l'eau ça va madame là. Ensuite, encore une bout de l'eau bat madame, hadith de Sahih Muslim. Aisha radiallahu anha, l'idia, ma daraba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, shay'an qad biyadihi. Le prophète Zamein bat quelqu'un avec son armée, wala mra'atan, ni un madame, wala khadiman, ni un servant, un serviteur ou bien un servant, illa an yujahid fi sabilillah, excepté dans le chemin d'Allah. Il est un jihad. Mais sinon, ça arrive pour faire une service sur l'armée, pour lui battre une madame, pour lui battre un serviteur, excepté qu'il fait jihad dans le chemin d'Allah, dans Sahih Muslim. Qui veut dire qu'il battait là, c'est un dernier recours. Naturellement aussi, toute chose qu'il nous fait, est-ce qu'il n'y a pas même solution? Si, il n'y a pas même solution, et là. Mais sinon, si vous n'est pas grave les choses, alors battez. Ça aussi qu'il a été battu, ça, mais nous trouver ici. Il n'y a pas une bataille qu'on va dire pour blesser madame là, non. Donc, bien souvent, si vous battez aussi, quand il n'y a pas même un gros problème encore. Aggrave les choses. Donc, il y a une petite chose qui. Nous avons la parole de l'imam al-Nawawi qui explique ce hadith là. Il dit comme ça: Darbu zawja wal khadim wal daba, in kana mubahan lil adab, fatarkuhu afdal. Bat madame, bat un serviteur, bat un cheval, une monture. Même s'il est permissible, tarkuhu afdal. Meilleur qui nous quitte. Meilleur qui. Et l'imam al-Nawawi, sa parole. Meilleur qui nous quitte. Donc, ça c'est trois étapes qui mentionnées en ce qui concerne. Quand papa est capable, Michel fait madame là comprend, papa est capable. Alors, Michel il fait madame là rappel à Allah, fait l'ipé à Allah, le Coran, hadith. Si papa comprend même, il est là, il reste loin avec lui, il n'est pas cause avec lui.
Actuellement, vous ressentez ça. Madame, elle dit, vous avez ressenti. Vous avez ressenti qui est là, bien avant de lui. Elle a trois jeunes, c'est pas bien bossé. Elle est là, si elle a nécessité, elle est là, battre ça, madame. Là, quand je vais dire, comment la réexplication de battre ça, comment il y a tout ça, madame. Ensuite, dans le verset qui vient après, c'est là une autre chose, madame. Là, à ce problème, il est capable de venir des deux côtés aussi. Pas juste madame, là, non. Fait une chifte, m'chikaka, ben, il n'y a. Si ce pépé, la cassure pas déroulée, là. Fait une chifte de pépé qui prend la cassure. فابعثوا حكما ما جابوا كان سوليوشن من بوسيلا فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها الو ابو ينجمون دو لابور دو سو دو كوتي ميشيلا ان ريسبونساب ان حكم ان اربيتر حكم ميتين اربيتر ان اربيتر دو كوتي مدام ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما سي سا دي اربيتر لا بي اونفي ميت لا كوريتي الله لي بو امين لا كوريتي لا ليكيس امبيشي سا مدام لا إن الله عليما خبيرا الله لي كدو الله لي جانا فومي ابن كثير لي جا كم سا بان فقها زون جير لين اسبيك سا فيسي لا لين اجتن كي سوى لانو كي لي با لي با جريك دي سا فيسي لا جير بان فقها فين جا بان جوريش فين جير سي انا ان ديسكو دان بيشي مدام سا جوج لا ان ان جوج بجا سا كي سا ان ريبوت دان لا كو مالوريزمو ازو دي لو بينا دو بان ان بي اسلاميك مينا بان فاميلي كاونسيل تو سا On est pas de fonctionner. Alors, qui va le faire dire? Et là, sa juge là, lui envoie un djimoun qui fait pas. Un djimoun qui est dans la malade, dans l'île, dans la connaissance. Lui, il va guérir sa problème là. Il va essayer seul sa problème là. Lui là, c'est pas fait capable même. Lui là, qui fait, à l'heure d'un djimoun de côté Michel, de côté madame, des djimoun sages, guérir, faire ça de là, causer, pour amener réconciliation dans la famille. Alors, c'est ça qu'Allah va dire, comment pour. Amène réconciliation entre monsieur et madame comme un problème inaggravé. Donc voilà, c'est un petit peu concernant ce problème qu'appelle discorde, une des bonnes façons que quand pas fait qu'à faire un ennemi, vous avez monsieur et madame pas fait qu'à faire un à l'autre comprend. Alors, bah, le grand monde de la famille, essayez d'assiser, mettre à la corité, faire un arbitrage, guetter et essayer de mettre la corité en place. Voilà, c'est un petit peu rapidement l'eau, c'est qu'à l'indienne en ce qui concerne. Façon tout seul, pas de problème. Nous venons avec la polygamie. Avec la polygamie, rapidement. Et quand je apprends concernant le Nikah, qui hukoum, qui veut dire, qui roule concernant le mariage? Est-ce qu'il est obligatoire? Il y a du sunna? Qu'est-ce qu'on apprend là? Il y a une différente situation. Il y a des gens qui sont capables, même haram, quand ils sont mariés, ça aussi. Astéa, un djimoun, il reste. Célibataire sans aucune raison. Veut dire par exemple, il a envie de concentrer lui dans la connaissance. Tu n'as pas de boulot. Il a envie de faire d'awa, il a envie de savoir dans le passé, il a envie de faire d'awa, il a envie de faire d'awa, il a envie de faire d'awa, il a envie de faire d'awa. C'est nous qui avons un petit goût maintenant concernant le bouquet d'un petit goût. Est-ce qu'il me dit, c'est madame ou bien polygame? Alors, ce matin-là, j'ai fait une triftum, Allah tuxitu filiata ma fankiho ma toba la kumina nisa. Mathna wa thulatha wa ruba. Si je te fais, que je ne suis pas capable de faire la justice quand il s'agit, quand je te marie avec ma yatim. À la fin, quand je me suis dit, avec yatim, c'est comme dire, Michel, il connaît la cause de Zaha, Chifila, il est bien à papa, il pourra le faire devenir avec lui. Allah dit, fankiho ma toba la kumina nisa. Marie avec ma nejut, madame, qui je te plaît à eux. Pour qu'elle a commencé. Mathna. Deux. Wa, wa qui veut dire? Et. Khala. Trois. Wa ruba. D plus trois. Fait cinq plus quatre à neuf. Et là, vous m'avez chira, je m'avais rien. Je m'avais rien, j'étais dans cinq de manchira, j'étais grand à neuf, madame. Non, ici, wa, c'est aou. Dans la langue arabe, et dans ma classe, que wa veut dire aou. Moi, il y a des, ou bien trois, ou bien quatre. Donc, Alain commence quoi? D. Qui veut dire? Qui veut dire, mais j'ai pas une idée, mais déjà, polygamie, mais il y a qui? Un seul. Inch'Allah, nous guettons ça. Fa in khiftum Allah ta'adilou, Allah djess. Fa in khiftum Allah ta'adilou. Si je te paye, je ne suis pas capable de faire la justice. Fa wahida, moi, il y a un seul. Aou ma malakat aymanukum, dhalika adna Allah ta'oulou. Alors, si je te paye, je ne suis pas capable de faire la justice. Alors, un seul, moi, il y a un seul. Vous allez faire ça, moi, là. Si je paye, je ne peux pas faire la justice, alors moi, il y a un seul,
Ou bien, Moïse est un esclave. Mais la quête est manoum, c'est le monde de la vie, c'est un esclave. Alors, Moïse est un esclave de posséder. Donc, je veux dire qu'Allah, il nous laisse à la porte, il gagnera Moïse 2, 3 ou bien 4. C'est-à-dire, il y a une condition, après nous guetter si laquelle qui me guère. Il y a une condition. Premier, c'est qu'il vient à la justice. Fait une riftou, Allah t'a dit nous. Tout de suite, le Coran m'a mentionné. Je paie, pas pour capable faire la justice, alors Moïse avec un seul. Donc, Inch'Allah, le tout juste. Mais dire que si un démon n'est pas payé, il n'est pas capable de faire la justice, alors il vient voir avec un seul. Donc, la condition de polygamie, il vient la justice. Mais seulement, à ce stade, il y a un verset. « Walan tastatui'u an ta'adilu bayna nisa, walau harastu zami. Walan tastatui'u. Zami, je ne suis pas capable de faire la justice en bas de madame, même je fais tous les efforts qui sont capables. » Moi, je ne comprends pas. Abrogé. Allah dit l'en ou l'en testatui ou zame, je ne peux pas faire la justice, même si je fais toujours des efforts. Alors il y a un modéliste qui vient, man qui, comment dire, à cause de l'influencé par le West, à cause de. Oui, l'Occident, comment dire, service, ça veut dire que les musulmans, je ne peux pas me. Pour tout le monde, il y a 5 jours sans aide, comment dire, sans civil, ça n'a pas de problème. Ça, donc on admet la contradiction. Donc on admet la contradiction. Qui veut dire ça? Dans Hadith, à cause ça, Coran Hadith m'a sans ça. Aïcha radiallahu anha, dans le salon, c'est le quatrième service à sa Hadith là. Dans Hadith, Aïcha dit comme ça, le prophète dit tu peux faire l'apport en tant que madame, mais tu peux la culture pour donner, il fait la justice, il fait la, il porte à la culture justement. Après, pourquoi tu veux dire Allahumma hadha qasami fima amli? Oh Allah! Ça qui m'a fait là, ça c'est qui dans vos capacités ça. La talumni fima tamlik wala amlik. N'a pas blâme-moi, punis-moi pour quelque chose qui n'est pas dans vos contrôles et qui doit te contrôler. Qui veut dire ça? Veut dire l'équerre. Dans l'équerre, un michel n'est pas content tout pareil. Par exemple, il y a un enfant. Il n'est pas content tout pareil. Il prend un petit. Un là, il prend dans les plis. Pareil, c'est ça qu'elle a fait des armes, je ne peux pas.